nous pensons que finalement, et ça n'est pas un hasard, Giscard est beaucoup plus représentatif aujourd'hui des intérêts de la grande bourgeoisie. Que sans phare, Giscard est convaincu qu'on va vers des affrontements dans les mois qui viennent entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, et que tout simplement il essaye de sonner la trompette du rassemblement de toute la droite capitaliste de façon à avoir dans les mains les moyens les plus efficaces pour se confronter avec succès, espère-t-il, à la montée de la classe ouvrière.